L'ascension est un voyage intérieur qui nous amène à explorer les profondeurs de notre être. C'est un processus qui demande courage, persévérance et confiance en soi, mais surtout une volonté de changer et d'améliorer. Lorsque vous invoquez les archanges Michaël et Raphaël, vous ouvrez le chemin vers la libération. L'archange Michaël tranche les cordes éthériques négatives qui nous attachent aux situations et personnes de notre passé. L'archange Raphaël guérit tous les aspects de votre vie, le corps physique, l'esprit et l'âme. Marie est présente autour de vous, apportant des énergies de pureté sacrée qui nous invitent à nous élever vers la conscience divine. Elle guide dans cette ascension pour que nous puissions ressentir une paix intérieure profonde et vivre une vie remplie de lumière. Le travail des chakras est essentiel pour amorcer l'ascension. En utilisant votre main éthérique, vous pouvez nettoyer ces portes énergétiques et les glandes associées, libérant ainsi les toxines qui gênent leur fonctionnement. Invitez Raphaël en votre espace pour vous aider à guérir de vos douleurs passées. Confiance en lui est le premier pas vers une vie plus légère et plus épanouissante. L'ascension est un processus continu, chaque jour offrant de nouvelles occasions de ressentir l'amour et la paix. La purification est un aspect essentiel de l'ascension. C'est un processus qui demande courage et persévérance, mais il nous permet de libérer les énergies négatives qui gênent notre vie quotidienne. La guérison est une étape importante de l'ascension. C'est la possibilité pour votre corps physique et votre âme de se soigner des douleurs passées afin que vous puissiez vivre une vie plus sereine. L'éveil intérieur est un processus qui nous permet d'accéder à notre conscience divine. C'est la possibilité de ressentir l'amour et la paix dans toutes les situations de la vie. Je vous aime. Que votre vie soit illuminée par cette lumière qui monte. Guérissez-vous physiquement, psychologiquement et spirituellement pour que vous puissiez rayonner dans le monde.